pas de la musique de merde, c'est de la hard musette, les gars. D'ailleurs, je suis moi-même en train d'écrire une petite chanson pour Roxane. Dis-moi, est-ce que tu n'as pas l'impression parfois de ne pas être un vrai de la verrerie? On met ça au labo. Oui, papa. Oui, bah ça, ce seront les tests qui diront. Une application numérique pour smartphone! Alors, pardon, concernant les prototypes de bilboquet que moi je fais dans mon atelier là-bas. Alors, ton travail, il est inutile. Et toi, tu vas pouvoir te faire licencier et rentrer à la maison. On en est où sur le développement là? C'est pas possible, Tom, l'appli prend du retard et moi je vais commencer à stresser. Donc, à partir de maintenant, il va falloir prendre une décision. Je veux un résultat d'ici ce soir. 18h, dernier délai, après l'offre ne tiendra plus, ce sera la porte pour tout le monde. Attends, c'est à cause de Mitch, hein? C'est lui qui m'a dit tu vas dans la rue, tu prends la première qui vient, il faut pas réfléchir, il faut agir. T'es viré. Les éditions, ça t'attend. C'est nous. Ce qui m'amène à mon livre. Non, vous voulez dire le livre de Dick. Vous, les auteurs, vous écrivez les textes et Dick les joue sur scène. Je me suis fait enculer sur toute la ligne. Moi, tout ce que je voulais, c'est terminer. Faut avoir ton nom sur un bouquin. Un Mitch qui pense avec ça, plus qu'avec ça. Il a aucune chance. Attends, mais t'as raison. C'est Lavoisier, en fait. Mais en fait, hello, les boules, j'avais une erreur. Mitch! Lavoisier! Vous avez demandé votre père, ne quittez pas. Fiston? J'ai pris la décision. Je pense que vous avez raison, il faut. Ça! Non! Ah! Téléphone! Non! Non! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord. Vas-y, Fiston, fais-moi un petit vis! Qu'est-ce que tu fous là? J'ai déconné, je suis désolé, mais je me rendais pas compte. Super, t'es soulagé? Alors rends-moi ce téléphone. Mais non, putain, tu te rends pas compte, Lavoisier! Mais j'en ai rien à foutre, tu vois pas qu'on va se faire virer si jamais tu me rends pas ce téléphone? On peut encore sauver les meubles, alors gâche pas tout. Mais c'est ça le truc! Rien ne se perd, tout se transforme! Je vais te droiter. Au début, je pensais que les balls étaient autour de nous, mais j'avais tout faux! Quand je suis devenu quelqu'un d'autre, quand je t'ai laissé tomber pour ma théorie là, j'ai complètement changé de voltage, de fréquence, ou de dimension, on s'en fout! Non, le point important, c'est que si moi je me suis conduit comme une balle, mais ça veut dire que les balls, c'est les gens en fait! Quand je disais bateau, je pensais super tanker, quoi, super tanker de chasse, quoi. C'est Mitch. Il est revenu. Ouais, ça s'engueule pour changer. Voilà. Mais les balls, les gens, mais quelle importance, on est dans la merde de la même façon, espèce de gros connard. Mais justement, non. Parce que si les balls, c'est les gens, ça veut dire que Roxane, Chris, Ralph, toi, Emma, Stan et moi, eh ben, on est une molécule, en fait. Mais comme en chimie, tu vois. Super. Bah, là, tu l'as bien pété, la molécule. Il n'y a plus de molécule. Mais si, parce que Lavoisier, rien ne se perd, tout se transforme. C'est juste qu'on a une nouvelle molécule, là, avec son propre potentiel. La situation, elle empire pas, elle change. Et on doit faire avec. Il faut juste trouver la bonne façon de l'exploiter pour que tout ce qui est arrivé soit arrivé pour une bonne raison. Pour que le départ de Chris ait du sens. Pour que Roxane et Emma bossant ensemble aient du sens. Donner du sens à la vie, bravo, super scientifique. Non, c'est un acte de foi. C'est croire que sur un malentendu, bah, tout peut arriver. Je sais pas ce qui me retient vraiment. Ah ouais, quand même, c'est chaud là. Je vais y aller. Je vais leur dire, ça suffit. Plutôt non. Peut-être, Raph, je vais y aller. Pas. C'est Chris qui te manque. C'est con, hein. Voilà. Il faut laisser le temps à la molécule d'agir maintenant. Elle a trouvé sa forme finale, c'est à nous de trouver son potentiel. Mais ça n'a aucun sens. D'accord. Bah, j'ai une autre théorie si tu veux. Non, je veux pas, j'en ai marre de tes théories pseudo. Des fois, les balls, c'est juste des couilles. Quoi? Si tu crois pas au sens de la vie, là, ou à la molécule, bah peut-être que tu crois en tes couilles, et que tu prends un risque d'attendre, et de miser tout. Le bordel, all-in, vas-y, c'est parti, on y va. C'est n'importe quoi. Peut-être. Sûrement même. Mais je te demande de me faire confiance sur une seule chose. On gagne jamais rien en laissant tomber. Ou 100% des gagnants ont joué. Ou un truc comme ça. Je croyais que Dieu ne jouait pas au dé. C'est vrai. Bim, costaud. Mais peut-être qu'il joue au bilboquet. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'était? C'est Ralph qui vient la mettre. Quoi? À qui? Où ça? La mettre là, Tom. Et bim! Qu'est-ce que c'est? Oh, je sais ce que c'est, qu'est-ce que c'est? C'est pas qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est! Putain, faut que je le filme, ce con. Mais ça, c'est une super baseline, ça, qu'est-ce que c'est? Putain, mais grave! Tom, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais. Roxane, t'avais raison. On va faire une vidéo. On va faire un clip. Vas-y, fais chauffer le matériel. Emma, réactive tous tes comptes Twitter, la chaudière et les autres. On a besoin de tous tes followers, tout de suite. Putain, un clip, ouais. Sur le bilboquet? Oui. Mais on va le mettre en résonance avec un univers qui parle à tout le monde. Le sexe. L'amour. Le sexe, ça parle plus, mais d'accord, ouais. Ok, putain, il nous faut une musique, là. Un truc qui reste dans la tête.
crois qu'on a ce qu'il faut. Allez! Pour vous, les deux amours. Ah super! Et Chris, il est presque prêt, mon maxi, ou pas, on y va? Putain, mais allez, on y va, ouais! Depuis que j'ai vu tes jambes qui marchaient dans la rue, je me sens tout étrange, j'ai envie d'être tout nu. Depuis que tu m'as parlé en me disant des mots, j'arrive plus à t'écouter, c'est comme si j'avais chaud. Depuis que tu m'as souri en me montrant tes dents, je dors plus du tout la nuit, je crois que j'ai des sentiments! Un peu de gourmandise, c'est pas pour prendre la tête, mais juste pour que tu te dises. J'essaie d'être marrant, pas besoin de psychanalyse. Je fais pas mon intéressant, mais c'est juste pour que tu te dises. Il se passe un truc là-dedans, à chaque fois que je te fais la bise. C'est dans ce genre de moment que je donnerai tout pour que tu te dises. Tout à fait, grâce à cette chanson, le bilboquet est devenu un véritable phénomène de société. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ici, tout le monde y joue. C'est un succès, voilà ce que c'est. Alors, c'est pas qu'est-ce que c'est au sens, tiens, qu'est-ce que c'est? Quel truc, quel truc. Oui. Chacun, il y a plein de trucs à faire, tu rigoles. Alors, on s'est fait cette partouze de réconciliation? Non, parce que la salle des fêtes, en fait, elle a été faite à la mairie. Mais par contre, j'ai une question. T'es qui, toi, bordel? Ça fait plusieurs fois. Salut, Charles. Salut. Ça fait plusieurs fois que je te croise, je te demande, tu réponds jamais, t'es qui? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je voudrais d'abord tous vous féliciter pour ce magnifique projet. Et puis, lever mon verre à un homme qui a su avoir une vision, hein, de la verrerie pur sang. C'est vérifié. Mon fils, Stan. Merci. Bon, écoutez, je pense que le mérite revient surtout à Tom Tom. C'est toi qui as porté ce magnifique projet. Bravo, Tom Tom. Merci, mais moi, je pense que la vraie chance qu'on a eue, c'est d'avoir un DRH fou, un DRH qui a créé la première théorie psychoquantique. Mitch, merci. Ah ben oui, c'est moi en plus. Attendez. Vous avez une théorie? Vous faites dans l'innovation. Est-ce que vous ressentez quelque chose ici? Non, pas vraiment, parce que de toute façon, je me suis fait voler ma théorie, donc... Voler? Mais par qui? Attendez, hein, je peux donner un coup de fil immédiatement. Hein. Non, c'est pas la peine, c'est sympa, mais vous pouvez rien faire, de toute façon, c'est les éditions Satan. Satan? Mais c'est moi, Satan. Jeune Vito? Mm-hmm. Tout de suite? Entendu. Vous voyez, Sophie, dans le cadre d'un exercice de licenciement, il faut toujours attendre le deuxième appel qui annonce que vous êtes engagé. Shit! Les Balls ne sont pas autour de nous. Nous sommes tous des Balls en puissance. Charge à nous de trouver le bon potentiel à exploiter dans chaque molécule bolique que nous formons tous ensemble, avec notre entourage. Et j'aimerais terminer cet exposé en remerciant mes Balls, sans qui je n'aurais jamais rien compris. Mes potes, merci à tous de m'avoir supporté et d'avoir subi tout ce que j'ai pu vous faire subir avec le sourire. Et puis bien sûr, ma directrice de collection, qui est aujourd'hui un sacré démon. Et je veux pas dire par là un démon du cul, attention, même si effectivement il y a ce qu'il faut pour envoyer du lourd là-dessus. Mais enfin, je ne le sais pas, je ne peux que supposer. Et puis de toute façon, ce n'est pas l'endroit pour en parler. Yeah, I really appreciated your speech, man. That was awesome. This was Mitch and la théorie des balls.
Dis-moi, je fais un barbecue pas de Châtelard, là, ça te dit de venir? Châtelard dans la Creuse? Ouais, dans la Creuse, ouais. Je connais bien, moi. Ouais, j'adore ça, moi. Bravo. Merci, Nick. Oh, t'as encore mal? Oui. Je te promets, je te frapperai plus jamais. Sauf si tu le mérites. Carrément. C'est parce que je suis pas très bien caché que vous m'avez cramé, c'est ça, hein? Sérieux? Vous êtes mes amis. Qu'est-ce que c'est là? Allez, venez là. Ah bah quand même. Allez. C'est un des plus beaux jours de... Oh, qu'est-ce que c'est? Yeah, right. No, I just need to take a rest in my room for a few hours. Yeah, yeah. What the fuck, man? I appreciate that! Oh, il le fait bien! Vous l'avez? Le bac? Oui. Bah non. Et ça, vous l'avez? Non. Et ça? Non, non plus. Bon, on verra dans 10 ans. Fin de saison.